portée sur les fonds baptismaux sur initiative personnelle du président de la République, son Excellence Monsieur Faure Essosimna Nyasingbe. Il y a 10 ans environ, les centres de développement sportif de Palimé et de Bassar ont regagné en vitalité ces dernières années. En pleine reconstruction sur de nouveaux sites avec des infrastructures, installations et équipements sportifs modernes, les CDS de Palimé et de Bassar viennent d'avoir une identité visuelle. Il s'agit des logotypes qui permettent d'identifier le CDS de Palimé et celui de Bassar. Ces logos viennent ainsi répondre à la nouvelle dynamique impulsée par le gouvernement à travers le ministère des Sports et des Loisirs pour une meilleure visibilité de ces centres qui se veulent de devenir d'ici quelques années des références en matière de formation sport-études dans la sous-région et en Afrique. Cette année, pour le BEPC et le probatoire, le CDS de Palimé, déjà opérationnel sur un site provisoire, a obtenu 100% de réussite en attendant le baccalauréat deuxième partie. Entièrement pris en charge par le budget de l'État, les pensionnaires du CDS constituent une véritable mine d'or pour l'avenir de nos sports. Plein succès au projet des CDS porté par le chef de l'État. C'est le lieu pour nous de remercier très sincèrement le chef de l'État avec son gouvernement qui ne ménage aucun effort pour les enfants, les pensionnaires du CDS.